connaître cette réalité et ensuite la dénoncer et la faire évoluer. Le GPE, j'espère que je ne suis pas trop long, le GPE est très critique, c'est la force mobilisatrice dans le domaine de l'éducation. Nous sommes des citoyens engagés et on voudrait que ça aille plus vite. Le système ne fonctionne pas. Alors je vous ai parlé du passage CM2-6e, mais notre expérience à nous, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les élèves qui sont en terminale, qui passent leur bac, qui ont leur bac, parfois ont des insuffisances assez incroyables dans des domaines et d'autres. Dès qu'on les met à l'œuvre, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont un bac, mais quelle est la qualité de ce bac? En quoi ils se sont épanouis, déjà à titre personnel, et en quoi ils ont les connaissances nécessaires pour dire que ce bac-là a une valeur forte. Le projet éducatif du pays, je terminerai par ça, cette réflexion-là. Flo, c'est bon? D'accord. Pardon hein, de te couper, Dominique. Donc on va monter là parce que Madame la Ministre nous attend. Donc tous les jeunes, tous les parents qui sont concernés par des manques de place, que ce soit en primaire, que ce soit en collège, que ce soit en lycée, que ce soit des redoublements, que ce soit des bacs qui veulent aller en BTS, que ce soit des jeunes qui ont le bac qui n'arrivent pas à rentrer à l'université parce qu'ils sont pris en retard, que ce soit des secondes, des premières, tous ceux qui sont concernés. On a pris votre nom tout à l'heure, vous êtes une vingtaine. S'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps et qui êtes concernés, joignez-vous à la délégation. Hein, c'est important, c'est là où on va être face aux décideurs et vous pourrez vous exprimer, vous pourrez dire ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment important. Hein, on est sûr qu'il y a des places qui se sont libérées dans les lycées, il faut qu'elles bénéficient à nos jeunes. Donc là, on vous demande de vous avancer avec le président, Richard, la délégation de l'UGPE. Donc voilà. Voilà les deux objectifs principaux. Et il y a... On fait la dernière fois qu'on peut se mobiliser au moins sur ce sujet-là. Il y en a d'autres qui demanderont encore de l'engagement. On peut applaudir la délégation qui nous quitte. Bon courage. Comment faire qu'on accepte que 800 de nos enfants, de jeunes de 12, 13, 14, 15, 16, 16 ans, quittent notre système de l'éducation très cher? C'est pas possible ça. 800, c'est l'objectif d'un lycée chaque année. Donc un système éducatif clair, l'objectif d'un lycée, j'ai trouvé les méthodes. Et vous avez à boire là. C'est le gouvernement qui vous offre. Hein? Chaise pour tout le monde. D'accord. Voilà. Bien. Merci Hélène. Je sais que tu vas avoir la bonne décision. Je sais. Allez, on y va. Je souhaiterais que ce soit effectivement les élèves, parce qu'on parle quand même
de leur situation, s'il vous plaît. Je pense que c'est vous, l'objet même, je dirais, de notre rencontre aujourd'hui avec l'UGPE et avec quelques responsables de l'UGPE, puisqu'il s'agit bien de l'UGPE. J'entends qu'il y a quelques responsables de l'UGPE d'accord sur vous. Ta demande. Où elle est mieux placée. Oui. Voilà. Là où elle est mieux placée, c'est là-dessus qu'on va jouer. On ne va pas regarder les deux autres parce que. Non, ça ne sert à rien. Hein, il y a les trompes. Pas du tout. Derrière. Nous, on va estimer le nombre de places susceptibles d'être vacants au septembre par rapport à des jeunes gens et des jeunes filles qui partiraient en métropole. Dans ce cas-là, on va surbooker. Enfin, c'est-à-dire, on va mettre plus d'élèves que prévu. Ça peut être une chance possible. J'espère. Mais allez voir aussi à l'université. Oui, mais il faut que ça l'intéresse aussi. Oui, mais normalement, par rapport à son BTS, elle pourrait, sur la partie communication ressources humaines, pouvoir... Vous êtes allée à l'université ? Bah, j'en ai une qui est inscrite en droit à l'université, bon. Donc je connais. Bon, ouais. Pas... Moi, je ne vous conseillerais pas droit pour elle. Hein. Ah non ? Hein, on est d'accord ? Oui, merci. Bon. D'accord. C'est bon ? Ok. Alors madame, donc, vous avez assisté à la réunion. Pourquoi donc, assister à cette réunion aujourd'hui ? Alors parce que j'ai ma fille qui est là, qui a 17 ans et qui est en liste d'attente. En BTS, elle avait fait 3 vœux et il est vrai qu'elle est mieux placée en BTS communication et je sais qu'il y a de la place, donc j'aimerais bien qu'elle puisse rentrer pour cette année 2017. Mmh. Alors donc là, vous avez qu'est-ce qu'ils ont dit, enfin, je veux dire, au niveau de la réunion ? Eh bien, écoutez, tout va se décider vendredi, donc on croise les doigts. Et puis au niveau de la réunion, mais écoutez, moi j'ai rien appris de concret parce que j'avais déjà pris mes devants depuis l'année dernière quand il y a eu les inscriptions au BTS. Vous comprenez qu'il y a encore des jeunes qui n'ont pas de place dans les lycées, dans les collèges ? Non, pas du tout, parce qu'en fait j'ai déjà vécu la même situation en 2015 pour mon aîné qui a réussi son BTS d'ailleurs en 2016. Et qui est maintenant en licence de droit, donc je ne comprends pas qu'il y a toujours des enfants qui sont soit en liste d'attente ou qui sont en dehors du cursus scolaire. Je pense que depuis l'année dernière, on a amélioré cette procédure d'affectation et d'orientation. Je rappelle qu'au 20 décembre, tous les élèves qui soient redoublants ou qui ont demandé une affectation, il y a un premier tour, les familles ont été informées. Un deuxième tour qui est effectué par les services du vice-rectorat au mois de janvier et le troisième tour sera effectué dans 2 jours, c'est-à-dire le 24 février. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il reste 170 places vacantes. Voilà. Que ce soit en bac pro, que ce soit en CAP, que ce soit en BTS. Après, il restera toujours les cas individuels. À peu près une dizaine, et là effectivement c'est des demandes, je dirais, particulières qu'il nous faut là aussi apporter une réponse aux familles. Après, il y a peut-être un point particulier, c'est sur les élèves qui sont au collège en 4e et en 3e. Là je rappelle qu'il y a une obligation de scolarité, donc ces élèves là ils sont affectés d'office dans des établissements. La dernière question, c'est ses parents et aussi l'organisateur du GPE. Il y a un travail en amont qui a été fait, donc c'est aussi le résultat de quelque chose qui a été étudié, il y avait eu un travail qui a été fait. Quoi. Oui, oui, on rencontre, vous avez raison de me le rappeler, on rencontre régulièrement le GPE. Depuis, je dirais, à peu près fin janvier, ça fait déjà 5 rencontres que l'on fait avec le GPE, où on fait un travail, et notamment avec les services du vice-rectorat, pour répondre à leur liste de ces élèves qui ne sont pas souvent, soit qui ne sont pas affectés, effectivement. Mais c'est là où je voudrais insister quand même, les élèves qui sont en collège, donc qui sont mineurs, je rappelle que c'est une scolarité obligatoire. Là, ils sont inscrits d'office, effectivement, dans les établissements où il y a de la place, ou selon leur lieu de résidence. Pour les redoublants, je rappelle aussi que là, c'est une nouvelle procédure que l'on avait mise en place l'année dernière dans les établissements, que là aussi, c'est un droit pour tout redoublant d'être
réinscrit de nouveau dans son établissement d'origine. Voilà. Alors, c'était pas gagné, hein. C'était pas gagné déjà qu'on nous reçoive, parce que la décision a été prise finalement il y a que quelques jours, hein, qu'on a décidé d'aller dans la rue et puis de venir là devant le gouvernement avec les parents et les enfants. Donc ils nous ont reçus à l'heure qu'on a demandé, puisqu'on a demandé à être reçus à 13h, et effectivement ils étaient tous là. La ministre était là, monsieur le vice-recteur était là, son secrétaire adjoint était là, tous les collaborateurs de Mme Yekawe étaient là. Donc on peut dire qu'il y a eu de la considération quand même, il y a eu de la considération pour les parents. Par contre, on n'est pas totalement satisfait quand même de cette rencontre, parce qu'on réalise bien quand même que devoir chaque année redescendre dans la rue, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il ne devrait pas y avoir autant de problèmes. Il ne devrait pas y avoir autant de problèmes en plus qui concernent les enfants kanaks et océaniens. Là, il y a un souci. En plus, apparemment, certains jeunes ont été refoulés à l'entrée parce qu'ils sont arrivés un peu en retard. Ils n'ont pas pu intégrer la salle de réunion. Donc on va dire qu'on est mitigé. On est resté 3 heures. On a eu beaucoup de statistiques. On a passé beaucoup de temps à discuter de chaque cas individuel. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer quand même pour qu'il n'y ait plus ces problèmes à la rentrée. Alors concrètement, il y a combien d'élèves en BTS sur le carreau, en gros, où vous avez des chiffres, ou en CAP? Oui. Oui, oui. Ben, on a les chiffres que l'UGPE a pu collecter depuis ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'on est monté là-haut avec une liste de 140 noms d'enfants qui n'ont pas de place soit en collège, une vingtaine en collège, une trentaine en CAP, presque une soixantaine en BTS, et on a une vingtaine de noms également en redoublement de bac. Hein, donc des jeunes qui ont échoué au bac et qui souhaiteraient retenter leur chance. Alors sur mettons le cas le plus important, c'est les 60 jeunes qui n'ont pas de place en BTS. Eh bien, on nous dit, parmi les 60 noms que vous nous avez soumis, il y en a 17 qui n'ont jamais demandé à faire des BTS quand ils étaient en lycée en octobre, novembre et décembre 2016. Et oui, mais toujours est-il qu'entre-temps, ces jeunes ont changé d'avis et maintenant, ils ont envie de reprendre des études. Alors, c'est quand même gênant que déjà ils éliminent tous ces jeunes. Après, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des vœux en 2016 et qui sont en liste d'attente malgré tout. Là, ils nous disent d'attendre encore jusqu'à vendredi parce qu'ils ont eu la remontée des établissements scolaires et apparemment, il y aurait 170 places qui se sont libérées. Aussi bien pour des élèves de CAP qui voudraient rentrer en bac pro que pour des élèves qui voudraient aller en première année de BTS. C'est curieux quand même. C'est curieux. Ouais. Comme par hasard, il y a des places qui se libèrent. Ils nous ont fait un autre effet d'annonce qu'il faut qu'on vérifie. C'est qu'ils peuvent monter encore les classes à 33-34 élèves. C'est-à-dire qu'actuellement, les listes sont bloquées à 30 élèves. Et ils nous ont proposé de monter les listes, d'accepter encore par BTS 3 à 4 élèves en plus. Et comment est-ce qu'ils justifient ça? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont inscrits en BTS, mais qui vont lâcher le BTS en septembre pour aller en France. Et nous, on leur a dit, mais c'est pas logique. Autant les mettre, pas dehors, mais disons, leur demander de libérer la place dès maintenant pour qu'ils puissent affecter des élèves qui sont en liste d'attente, des élèves qui vraiment vont faire les 2 années de BTS et qui n'ont pas prévu d'aller en France en septembre. Donc il y a tout un tas d'incohérences, pour pas dire d'autres mots. Il y a tout un tas de choses vraiment anormales qui font qu'on n'est vraiment pas totalement satisfait.